Été 1994. Comme d'habitude, je passe deux semaines au camp de vacances. Mais cette fois-là, c'est spécial parce que je serai dans le groupe des plus vieilles. Spécial parce qu'on aura le droit, enfin, de se coucher après les bébés de 11 ans et de veiller autour du feu de camp avec les moniteurs. La veille, je suis prête. J'ai placé dans mon sac à dos 6 shorts, une dizaine de t-shirts et surtout mon nouveau maillot de bain. J'avais acheté le fameux une pièce Budweiser, mais pas le blanc qu'on voit au travers quand on se baigne. J'avais pris le bleu marin parce que j'étais pas une guidoune. Je me regardais dans le miroir et je trouvais que mes seins étaient vraiment rendus gros. Ça me gênait pas mal, mais j'avais pas le choix de faire avec vu qu'ils étaient pognés après moi. À la journée d'accueil, j'ai retrouvé toutes mes amies des années passées. Mais ce n'est pas elles que je cherchais. Je me demandais si le beau moniteur qui était passé là l'an passé travaillait encore cet été. Ça n'a pas pris 5 minutes pour que je le voie trimballer le chariot à collation en direction du groupe des plus petits. Il était aussi beau qu'avant, encore plus peut-être. J'avais des papillons dans le ventre juste à penser qu'il allait peut-être passer à côté de moi avec ses berlingots de lait et ses bartangs. À la plage, le même après-midi, je portais mon maillot de bain. Toutes les filles dans mon groupe me complimentaient et elles me trouvaient chanceuse que ma mère me laisse porter une pareille affaire. Le moniteur, celui que je trouvais à mon goût, s'est approché. On s'est mis à discuter. Il me parlait de la musique qu'il écoutait. Je faisais semblant de connaître les bandes dont il me parlait. On a discuté longtemps avant que je surprenne son regard sur ma poitrine. Je me rappelle l'effet que ça m'a fait de savoir qu'il regardait là. J'étais contente. Je jubilais à l'idée qu'un gars de 21 ans s'intéresse à moi de cette façon. On partait en camping sauvage le lendemain, donc ça a pris 4 jours avant que je revoie mon beau moniteur. C'était à la cafétéria du camp. Il est passé près de moi et m'a glissé un billet dans les mains. « Retrouve-moi derrière la maison des moniteurs ce soir pendant le feu de camp. » Je ne sais pas ce que je me suis imaginé, ou plutôt oui, je le sais très bien. Je me suis imaginé que j'irais le rejoindre et qu'il me dirait à quel point il me trouvait cute. On s'embrasserait peut-être. C'était l'affaire la plus osée que je pouvais me figurer à 12 ans. J'ai conté ça aux filles de mon équipe, puis elles aussi, elles jubilaient. Un gars de 21 ans, ça nous impressionnait pas mal. Le soir, je me suis trouvé une excuse pour aller errer du côté de la maison des moniteurs. Il m'attendait. Il me sourit puis il m'a dit de venir dans sa chambre. Il voulait me faire écouter de quoi. Je l'ai suivi, persuadée que je venais de rencontrer le prince charmant. Il a mis une toune de Pantera dans le ghetto puis il m'a regardé bizarrement. T'as vraiment des gros seins pour une fille de 12 ans, tu le sais-tu? Et je savais pas quoi répondre, j'étais tellement mal à l'aise à cause de la façon crue dont il s'était adressé à moi. Là, il s'est avancé puis il m'a accoté fermement contre le mur. C'est là que j'ai compris que j'étais dans la marde. Il a commencé à me fraîcher d'une façon très désagréable en me malaxant les seins. Il me faisait mal, mais je savais pas comment lui dire. Après, il a détaché mes shorts en jeans et a rentré son doigt dans mon vagin sans ménagement. J'ai hurlé, ça faisait vraiment mal. « Ta gueule, crise d'agace! » C'est ça qui a été sa réponse. Mais il avait été décontenancé par ma réaction et avait relâché son étreinte. Je l'ai poussé puis je me suis sauvée de sa chambre en courant. Je me suis retournée au feu et en rentrant me coucher, j'ai enroulé mes bobettes pleines de sang dans du papier de toilette puis je les ai jetées au vidange. Le lendemain, pendant la corvée de vaisselle, il est arrivé derrière moi au moment où l'autre fille avec qui j'essuyais des verres était partie je sais pas trop où. Il m'a chuchoté que j'étais une petite plotte puis que j'étais aussi bien me fermer ma gueule vu que je lui avais couru après avec mon maillot de bain de petite vache. J'ai ravalé mes larmes et j'ai continué à faire briller les verres. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais parlé de ça avec personne, surtout pas à mes parents. J'ai rien dit parce que j'étais convaincue que je m'étais moi-même mise dans cette situation avec mon maillot de Budweiser puis mes gros seins. J'étais certaine que je l'avais cherché parce que quelque part, j'avais du désir pour ce moniteur de camp de vacances. Mais il avait 21 ans, puis moi j'avais 12 ans. J'avais du désir, mais pas ce désir-là. Ce gars-là m'a agressée sexuellement et ça m'a pris des années pour m'en rendre compte. Tout ce temps-là, quand j'y repensais, je m'imaginais que c'était une amourette qui avait mal tourné. Alors quand j'entends des gens comparer les femmes victimes de violences sexuelles à des autos qu'on aurait laissé débarrer, ça me met en troisième crise. Parce que j'ai pensé pendant des lustres que si ça m'était arrivé, c'était de ma faute. J'avais juste à pas m'habiller de même. J'avais juste à pas avoir des gros seins. J'avais juste à pas exister. J'avais juste à garder mon maudit char barré. Vous rendez-vous compte à quel point c'est terrible de se dire une affaire de même? Moi, j'ai pas envie de me comparer à un char, mais j'ai envie de vous dire que je peux laisser les portes débarrées si ça me tente, puis que cela ne constitue en rien une autorisation pour venir s'asseoir dedans. Fin de la métaphore automobile de marde.